place. Tu t'es substitué à notre place et nous, nous avons pris ta place. C'est à cause de toi que Dieu nous considère comme justifiés, comme saints, comme irrépréhensibles. C'est à cause ou même grâce à toi, Seigneur, que nous sommes devenus des enfants de Dieu et qu'ainsi notre statut a été changé. Raison pour laquelle nous sommes là pour t'adorer et te célébrer. Reçois, Seigneur, encore cette offrande de louanges, de célébrations dans ta maison. Mais nous voulons également écouter ta parole ce matin. Parce que dans ta présence, ce qui importe le plus, c'est ce que tu nous dis. Parce que ce que tu dis, c'est ce qui change notre vie. Ce que tu dis, c'est ce qui apporte, Seigneur, du tonus, Seigneur mon Dieu, de notre vie, Seigneur Jésus. Et nous croyons que ce matin, nous serons encouragés, fortifiés. Nous serons, Seigneur, ramenés sur le droit chemin. Et nous croyons que ce matin, nous rentrerons touchés, bénis, Seigneur, parce que tu es là au milieu de nous. Nous ne sommes pas seuls. Tu avais promis, tu avais dit, je ne vous laisserai jamais orphelins. Tu es avec nous ce matin. Et nous croyons en ta présence, raison pour laquelle nous t'acclamons, Seigneur. Est-ce qu'on peut apprécier la présence de notre Dieu? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à bien acclamer le Seigneur? Ça, je pense, nous sommes en train d'encourager les modérateurs. Nous sommes en train d'encourager les chanteurs. Mais est-ce qu'on peut bien acclamer pour le roi des rois? Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui nous a fait, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a choisis, c'est lui qui nous a établi ses enfants et ses serviteurs. Alors il est digne de recevoir cette offrande d'acclamation. Amen. Shalom, shalom. Je suis très heureux ce matin d'être devant vous. Et comme vous le constatez, ce matin, le Père n'est pas avec nous. Notre pasteur n'est pas au milieu de nous. Et comme vous le constatez aussi, il n'y a pas de prédicateur invité. Donc ce matin, c'est un fils de la maison qui va partager avec vous la parole de Dieu. Alléluia. Voilà. Et vous savez, pour que le Père, si c'est un pilote ou un chauffeur, pour qu'il puisse céder son avion ou sa voiture, son véhicule à son enfant, la chose qu'il doit faire au préalable, c'est se rassurer que l'enfant grandit, n'est-ce pas? Mais pour que l'enfant grandisse, ça demande beaucoup de choses au père. Il faut éduquer l'enfant, il faut nourrir l'enfant, il faut encadrer l'enfant, il faut former l'enfant. Ça, c'est ce que notre Père ne cesse de faire envers nous. Il cesse de nous former, de nous enseigner, de nous éduquer, de nous nourrir pour que nous croissions. Et raison pour laquelle il a plu au Seigneur et à lui-même de nous faire passer devant vous ce matin. Et lorsque l'enfant grandit, c'est la famille aussi qui grandit, n'est-ce pas? Et vous, vous êtes cette famille-là, vous êtes ma famille, je vous aime beaucoup, merci aussi à vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce qu'il fait? Merci beaucoup. Merci au pasteur Champlain et à tous ses collaborateurs. La marche dans la sagesse. La marche dans la sagesse. Mais bien aimé, comme vous le savez, il y a des dimanches passés où le pasteur s'est entretenu avec nous sur une réflexion. Une réflexion dans laquelle il nous a dit que la vie chrétienne est une marche dans l'amour, une marche dans la lumière, une marche dans la sagesse. Et ceci est en rapport avec notre identité chrétienne. Et les premiers dimanches, il avait développé les deux premières idées de cette réflexion, c'est-à-dire la marche dans l'amour et la marche dans la lumière. Et les dimanches passés qui est donc le deuxième dimanche qu'il avait eu à s'entretenir avec nous, il avait développé la dernière idée de la dite réflexion, qui est donc la marche dans la sagesse. Et voici les textes qu'il nous avait proposés. Éphésiens 5, le 15e verset jusqu'au 18e verset. Nous allons lire encore ce même texte ce matin. Et nous allons encore partager la parole de Dieu. Écoutez ce qu'Éphésiens 5, à partir du 15e verset jusqu'au 18e verset,
est en train de nous dire, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Alléluia. Ça, c'est les textes que le pasteur nous avait proposés. Alors, selon ces textes, la marche dans la sagesse implique trois éléments. Trois éléments. Le premier élément, c'est racheter les temps. Quand vous lisez ces textes que nous venons de prendre tout à l'heure, vous allez voir que le premier élément dans la marche dans la sagesse, c'est racheter les temps. Donc, une personne qui marche de manière sage rachète son temps. Le deuxième élément, c'est donc discerner la volonté de Dieu. Et le dernier élément, c'est donc être rempli du Saint-Esprit. Si on fait ça, la pensée de Paul, en rapport avec la marche dans la sagesse, dans ces textes que nous venons de lire. Et les dimanches passés, les pasteurs n'avaient touché que le premier élément de ce que nous venons de voir tout à l'heure, c'est-à-dire il avait parlé en ce qui concerne la marche dans la sagesse tout en rachetant les temps. Et ce matin, en ce qui nous concerne, nous allons nous occuper de ce qui est le deuxième élément dans ces textes-là, c'est-à-dire la marche dans la sagesse en discernant la volonté de Dieu. Alléluia. Discerner la volonté de Dieu. Un homme et une femme qui veut marcher en étant sage dans ce monde, un croyant, un chrétien qui veut marcher comme un sage et non comme un insensé, il doit discerner la volonté de Dieu. Et puisque nous parlons ce matin de discerner la volonté de Dieu, j'aimerais partager avec vous quatre concepts de la volonté de Dieu. Quatre concepts de la volonté de Dieu. Et ceci nous aidera à comprendre et à discerner la volonté de Dieu pour notre vie. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Moi, j'aime quand je partage avec les gens qui manifestent qu'ils me suivent. Alors, souffrez ce matin. Merci beaucoup. Je disais tantôt, je vais partager avec vous ce matin quatre concepts de la volonté de Dieu. Et ces quatre concepts nous permettront, tout en chacun de nous, à discerner, à comprendre, à connaître la volonté de Dieu pour notre vie. Et donc, voici le premier concept que je vais partager avec vous en rapport avec la volonté de Dieu. Le premier concept, c'est la volonté souveraine de Dieu. Alléluia. La volonté souveraine de Dieu. Pour certains auteurs chrétiens, certains auteurs de littérature chrétienne, ils parlent de décrets éternels de Dieu. Mais moi, ce matin, je parle de la volonté souveraine de Dieu. Proverbe 21, le premier verset nous dit, « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. » Ça, c'est le premier texte que je vous donne dans ce premier contexte de la volonté de Dieu. Le deuxième texte, c'est Romains 9, 15 à 21. Suivez bien la lecture. Si vous avez votre Bible, vous pouvez aussi lire ensemble avec moi. La Bible dit, « Car il a dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je veux et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui, cela ne dépend pas de celui qui veut ou de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut
et il en dit ce qu'il veut. Tu me diras pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est celui qui peut résister à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Les vases d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Les potiers, n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Alléluia. Donc, le texte que je viens de vous proposer nous donne l'idée de la volonté souveraine de Dieu. Et mes bien-aimés, en parlant de la volonté souveraine de Dieu, nous devons savoir que Dieu décide et fait ce qu'il veut. Alléluia. Dieu décide et fait ce qu'il veut. Et quand Dieu veut faire quelque chose, personne ne peut l'en empêcher. Personne ne peut lui demander, mais qu'est-ce que toi tu veux faire? Personne ne peut lui donner les conseils pour lui dire, non, arrête ce que tu veux faire. Parce qu'il est souverain. Alléluia. Il est souverain. Il décide et fait ce qu'il veut. Dieu a un plan déterminé d'avance pour tout ce qui s'est produit et tout ce qui a été dans l'univers. Donc, il n'y a rien qui arrive dans l'univers ou dans le monde qui échappe au contrôle de Dieu. Alléluia. Tout se déroule selon le plan de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Tout se déroule selon les plans de Dieu, mes bien-aimés. Ainsi, lorsque Dieu s'est décidé d'introduire Rahab, la prostituée, dans la généalogie de Jésus, personne ne lui en a empêché. Vous êtes d'accord avec moi? Personne ne l'en a eu à l'empêcher. Personne n'a contesté avec lui. Il a pris cette femme qui était prostituée et l'a introduit dans la généalogie de Jésus. Il l'a imposé. Ou encore, lorsqu'il a pris le minable berger David dans la brousse pour l'amener jusqu'au palais royal et faire de lui le grand roi d'Israël, personne aussi n'avait pu l'empêcher. Alléluia. Parce que c'était dans sa volonté. Parce qu'il avait le contrôle de tout. Parce que sinon les gens allaient lui dire, mais non, ce gamin-là n'est qu'un berger minable. Il ne peut rien face à ces géants de Goliath. Il ne peut rien. Et au milieu de nous, il y a des vaillants guerriers. Il y a les hommes qui ont combattu dès leur jeune âge. Et jusqu'en ce jour, ils combattent encore. Ce sont les vaillants hommes du roi. Alors, ne prends pas ces minables de berger. Mais personne n'avait pu faire cela. Alléluia. Parce que c'était la volonté souveraine de Dieu. Et même par ricochet, Dieu va faire de ces minables bergers l'ancêtre du Messie. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler du Messie, c'est-à-dire le Christ, notre Sauveur Jésus. On ne peut pas parler de lui sans parler de David. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on parle de lui, on dit quoi? Fils de qui? Fils de David. Cependant, David n'était qu'un minable berger qui était dans la brousse, qui sentait l'odeur de brebis, de moutons. Mais parce que Dieu avait une volonté souveraine sur cet homme-là, il a fait de lui le grand roi. Alors, mes bien-aimés, ce matin, je suis venu vous dire que si la volonté de Dieu est celle que j'appelle souveraine, elle est sur votre vie. Qui que vous soyez, mes bien-aimés, vous serez ce que Dieu veut que vous soyez. Alléluia. Quelqu'un ne m'a pas compris, je vais répéter. Si la volonté souveraine de Dieu est sur votre vie, il n'y a personne, il n'y a aucune circonstance, il n'y a aucun moment de la vie qui va vous empêcher que vous soyez ce que Dieu a dit que vous devez être. Alléluia. Voilà pourquoi vous devez chercher à discerner, à comprendre la volonté de Dieu qui est sur votre vie.
Vous devez chercher à discerner, à comprendre, à connaître la volonté de Dieu qui est sur votre vie. Mes bien-aimés, pour que Dieu accomplisse sa volonté souveraine dans votre vie, dans la société, dans son église, dans le monde entier, il n'a pas besoin de conseils des hommes. Il n'a besoin de conseils des hommes. Vous savez, en ce qui concerne nos relations avec nos semblables, quelqu'un peut vouloir te faire du bien. Quelqu'un peut vouloir te recommander. Mais il peut recevoir un mauvais conseil, n'est-ce pas? Il peut recevoir un mauvais conseil sur ta personne. Et s'il ne reçoit pas un mauvais conseil, mais quelqu'un d'autre qui est encore plus supérieur que lui peut lui donner un ordre et lui dire non, ne fais pas de cet homme-là ce que tu veux faire de lui. Alléluia. Mais il n'en est pas question pour Dieu. Quand il veut faire quelque chose dans votre vie, il le fait. Il a dit dans les textes que nous venons de lire tout à l'heure, je fais miséricorde à qui je veux. J'aurai compassion de qui j'ai compassion, n'est-ce pas? C'est-à-dire, personne n'a de compte à demander à Dieu en ce qui concerne sa volonté souveraine. Ma prière est que Dieu accomplisse dans votre vie ce qu'il a prévu pour vous dans sa volonté souveraine. Donc voilà un peu les premiers concepts en ce qui concerne la volonté de Dieu. Ne vivez pas dans la peur de ce que les sorciers pourront faire pour empêcher la volonté de Dieu sur votre vie. Ne combattez pas avec les hommes. Ne soyez pas en rancune avec les hommes. Car ils ne pourront, et alors rien du tout en ce qui concerne la volonté souveraine de Dieu sur votre vie. Alléluia. Voilà. Le deuxième concept en ce qui concerne la volonté de Dieu, c'est la volonté morale. La volonté morale de Dieu. C'est ça le deuxième concept. Et quand on parle de la volonté morale de Dieu, ce sont donc les enseignements et les principes bibliques. La volonté morale de Dieu, ce sont les enseignements et les principes bibliques. Mais bien aimé, Dieu a déjà écrit sa volonté dans la Bible. Dieu a déjà écrit sa volonté dans la Bible. Ainsi, la première des choses à faire, si nous voulons connaître, si nous voulons comprendre, si nous voulons discerner la volonté de Dieu, nous devons nous assurer de placer plus de temps devant sa parole, c'est-à-dire la Bible, car sa parole est sa volonté parfaite. Alléluia. La Bible regorge des enseignements et des principes. Des principes qui viennent de Dieu pour nous aider à le connaître, pour nous aider à le comprendre, pour nous aider à nous faire une idée sur ce que Dieu est, mes bien-aimés. Et John Madden nous dit que 90% ou même 95% de la volonté de Dieu nous concernant se trouve écrit dans la Bible de Dieu ou dans la parole de Dieu. Alléluia. 80% ou 95% de la volonté de Dieu nous concernant, elle est écrite dans la Bible. Elle est là. C'est-à-dire, celui qui veut connaître, celui qui veut discerner, celui qui veut comprendre la volonté de Dieu pour sa vie, il doit faire quoi? Il doit lire, il doit méditer, il doit étudier la parole de Dieu afin de comprendre, afin de discerner, afin de connaître la volonté de Dieu pour sa vie. Est-ce qu'on est ensemble? Les psaumes 119, au verset 105, la Bible dit « Ta parole est une lumière à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Et étant lumière à nos pieds, la parole de Dieu nous guide. Elle nous guide à connaître la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour aujourd'hui, dans la prise de décision dans notre vie quotidienne. Elle nous montre la direction.
et même pour les temps à venir. Alléluia. La parole de Dieu est une lampe. Elle est une lumière à nos pieds. Et elle nous guide dans notre vie quotidienne, dans ce qui concerne la prise des décisions. Elle nous donne les directives. Elle nous oriente. Et même en ce qui concerne le temps à venir. Dans Proverbe 1, au verset 1er jusqu'au 6e verset, écoutez ce que la Bible dit. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, destiné à faire connaître la sagesse, à donner l'éducation et l'intelligence, des sentences pleines de sens, à faire acquérir une éducation éclairée, juste, équité, droitir, à donner aux naïfs la prudence, aux jeunes, connaissance et discernement. Que les sages écoutent et il augmentera son acquis. L'homme intelligent, il acquérera l'art de diriger, destiné à donner l'intelligence des proverbes et énigmes, des propos des sages et leur charade. On est là, on est ensemble. Hein? Donc, dans ces textes-là, nous comprenons que la parole de Dieu, elle nous aide à marcher dans la sagesse. C'est lui qui veut marcher dans la sagesse tout le jour de sa vie. Il doit lire les proverbes, il doit lire les autres livres de la Bible afin qu'il puisse connaître la volonté de Dieu. Et par conséquent, cet homme-là ou cette femme marchera dans la sagesse. Il ne sera pas un insensé, mais il sera un sage. Partout où il va se trouver, que ce soit au boulot, à l'université, dans son quartier, dans tous les milieux où il pourra se trouver, il fera la différence parce qu'il connaît la volonté de son Dieu. Mais celui qui ne veut pas lire la parole de Dieu, qui ne veut pas la méditer, qui ne veut pas l'étudier, il va se conduire dans la société comme un insensé. Mais que cela ne soit pas le cas pour nous. Alléluia. Nous nous sommes appelés à être des sages. Donc, si nous voulons avoir la sagesse de Dieu, ses conseils, nous devons méditer la parole de Dieu tout le jour. Elle nous aidera à discerner la volonté de Dieu et nous marcherons ainsi dans la sagesse. Mais j'aimerais que nous retenions trois choses en rapport avec avec le concept de la volonté de Dieu que nous avons appelé une volonté morale. La première des choses, j'ai dit que les enseignements et les principes de la Bible nous révèlent la volonté de Dieu. Ces principes sont universels. Ils ne changent pas selon l'époque et la culture. Alléluia. Les principes bibliques, les enseignements que nous trouvons dans la parole de Dieu, elles sont, ou ces enseignements sont universels. Ça concerne tout le peuple du monde entier. C'est-à-dire, il ne faut pas que quelqu'un dise cette parole de l'Écriture, elle ne concerne pas ceux qui habitent aux États-Unis. Elle ne concerne que ceux qui sont en Afrique. Donc moi, comme je suis aux États-Unis, je ne peux pas m'y conformer. Non, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'on est ensemble? Que tu sois en Afrique, que tu sois aux États-Unis, tu dois respecter les principes bibliques. Parce que c'est la volonté de Dieu. Elle est universelle. Et ne change pas selon l'époque et la culture. Où vous voyez des gens qui s'élèvent dans notre monde aujourd'hui qui disent la parole de Dieu est devenue comme archaïque et que nous devons la mettre au jour ou à jour. On doit faire les mises à jour de la parole de Dieu, de la Bible, parce qu'il y a maintenant des choses qui ne concernent pas notre époque. Non, mais ça, ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Alléluia. La parole de Dieu, elle reste vraie telle qu'elle était au temps des apôtres jusqu'à aujourd'hui. Elle reste vraie. Et nous devons donc respecter ses principes. Quelle que soit notre époque, quelle que soit notre culture, nous devons marcher selon les principes bibliques. Donc, tout croyant qui veut marcher dans la sagesse, il doit se conformer aux principes,
aux enseignements bibliques. Et il doit faire à ce que, tout le jour de sa vie, il puisse le mettre en pratique. La deuxième chose, j'ai dit, la Bible nous révèle comment Dieu pense. C'est la Bible qui nous montre comment Dieu pense. Si tu veux savoir, ou si vous voulez savoir comment Dieu pense, consultez la Bible. Vous verrez comment Dieu pense. Elle nous montre comment il voit les choses. Dieu ne voit pas les choses comme le monde le voit. Et c'est lui qui veut commencer à voir les choses telles que Dieu le voit. Il doit consulter la Bible. Il doit la méditer, il doit l'étudier. Sinon, tu vas vivre ou vous allez vivre comme ceux qui appartiennent au monde, ceux qui sont du monde. Mais nous, est-ce que nous sommes du monde? Nous ne sommes pas du monde. Donc si nous ne voulons pas vivre dans ce monde, en nous conformant à ceux qui sont du monde, il faut considérer la parole de Dieu dans notre vie. La Bible nous montre ce qu'il attend de nous. La Bible nous montre quels sont ses standards. Donc quand on parle de ces standards, on voit c'est à quoi nous devons nous mesurer. Vous savez, parfois, il nous arrive de nous comparer aux autres en ce qui concerne notre niveau de sainteté. On se dit, mais moi, je les dépasse un peu. Moi, je suis plus consacré que lui. Non. Ce n'est pas ton prochain qui est à gauche et à droite qui doit être ton standard. Alléluia. Ce n'est pas à celui qui est assis à gauche ou à celui qui est assis à droite que tu dois te mesurer. Tu dois mesurer les niveaux de ta spiritualité. Si tu veux te mesurer à quelqu'un, c'est à Dieu que tu dois te mesurer, que vous devez vous mesurer. Si vous voulez savoir, vous êtes déjà à quel niveau dans votre marche avec Dieu, dans votre marche de sanctification, vous devez vous comparer à qui? À Dieu. Mais pour vous comparer à Dieu, vous avez besoin de la parole de Dieu. Vous avez besoin de connaître les principes bibliques. Est-ce qu'on est ensemble? Ah, si on est ensemble, est-ce qu'on peut balancer la main pour que je sois sûr que vous êtes avec moi? Que Dieu vous bénisse. La dernière chose, j'ai dit que la Bible nous révèle... Excusez-moi. La Bible nous donne les cadres de la volonté de Dieu. Et ces cadres ne changent pas. Je vais illustrer cela en disant, on peut se poser une question pour savoir, est-ce que Dieu veut que je me marie? Est-ce que Dieu veut que vous puissiez vous marier? Pour ceux qui sont encore célibataires. Est-ce que Dieu veut que vous puissiez vous marier? Ah, j'ai entendu quelqu'un qui a dit oui. Évidemment, Dieu veut que les célibataires se marient, n'est-ce pas? Il veut. Et la Bible nous montre dans quel cadre l'on doit se marier. Avec Dieu, on ne se marie pas n'importe comment. Dieu a déjà mis les choses dans un cadre pour que ses enfants les observent. Donc si tu es chrétien, si tu es croyant, tu ne vas pas te marier comme tout le monde. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que Dieu a déjà donné les cadres par rapport à ce qui concerne le mariage. On peut aussi se poser la question, est-ce que Dieu veut que je puisse avoir les enfants? Vous pouvez répondre à cette question. Est-ce que Dieu veut que nous puissions avoir des enfants? Voilà. Oui, c'est évident, c'est vrai. Dieu veut que nous puissions avoir des enfants. Mais Dieu a déjà donné un cadre dans lequel on doit avoir des enfants. Est-ce qu'on est ensemble? On ne fait pas les enfants sans être marié. Les enfants, selon Dieu, on le fait dans le cadre du mariage. Donc, si tu veux connaître la volonté de Dieu dans ce sens, tu dois consulter la Bible et tu sauras comment est-ce qu'il faut se marier selon la volonté de Dieu. Comment avoir les enfants selon la volonté de qui? De Dieu. Ça se trouve dans ces principes bibliques. On peut, pour finir, pour se poser cette dernière question en disant, est-ce que Dieu veut que je paye les impôts? Vous pouvez aussi répondre à cette dernière question. Est-ce que Dieu veut que nous, ses enfants, nous puissions payer les impôts? Oui. C'est évident, Dieu veut que ses enfants payent les impôts, n'est-ce pas? Il a dit à César ce qui est à César. Donc c'est la volonté de Dieu. C'est là, dans la Bible, que nous pouvons le voir. Alors si vous marchez dans le noir et que vous ne savez plus où aller, qu'est-ce qu'il vous faut alors? Ce qu'il vous faut, c'est la lumière. Et pour ces
qui ont leur voiture, ils savent. Quand ils sont en train de rouler ou de conduire dans la nuit et qu'ils ne voient rien, qu'est-ce qu'ils font? Ils allument le phare, n'est-ce pas? Est-ce que ceux qui ont des voitures sont là? Vous allumez le phare pour voir là où vous voulez aller, n'est-ce pas? Et nous avons lu tout à l'heure dans le psaume 119, le verset 105, que la parole de Dieu est notre lumière, elle est notre lampe. Et ainsi, tout croyant doit s'assurer que sa lampe est toujours allumée. S'il veut marcher dans la sagesse, il doit s'assurer que tout le jour, sa lampe est toujours allumée. Sa lampe, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, chaque croyant doit se rassurer dans sa vie que tout le jour, il médite, il étudie, il réfléchit sur la parole de Dieu. Et c'est comme ça qu'il va constater que dans sa vie, il marche dans la sagesse. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a un noté bien que je vous propose. J'ai dit ceci. Plus nous connaissons la parole de Dieu, plus nous connaîtrons sa volonté. Et moins nous prendrons notre propre volonté pour la volonté de Dieu. Et plus nous marcherons comme des sages. Je vais reprendre ça. Plus nous connaissons la parole de Dieu, plus nous connaîtrons sa volonté. Et moins nous prendrons notre propre volonté pour la volonté de Dieu. Et plus nous marcherons comme des sages. Alléluia. Alors si c'est votre choix, vous voulez marcher dans la sagesse, tout le jour de votre vie. Vous voulez être différent dans ce monde qui est corrompu, ce monde qui est vendu au péché, ce monde dont le système qui est en train de les régir est contrôlé par les diables. Vous devez considérer la parole de Dieu. J'aimerais encore poser cette question ce matin. Quel est votre rapport avec la parole de Dieu? Est-ce que vous la lisez toujours? Est-ce que vous l'étudiez toujours? Lorsque vous vous êtes converti, il y avait en vous cette soif, cette flamme, cette passion de méditer, de lire la parole de Dieu. Qu'en est-il pour vous aujourd'hui? Est-ce que vous continuez encore? Ou bien cette flamme s'est tout simplement éteinte? La Bible n'a plus de place dans votre vie. Alors comment vous serez sage? Comment vous allez marcher dans la sagesse? Comment vous allez connaître les principes de Dieu? Comment vous allez savoir ce que Dieu pense, ce que Dieu ce que Dieu veut pour votre vie et même pour tout ce monde. Alors si vous aviez déjà oublié la parole de Dieu ce matin, je vous invite, je vous exhorte à revenir à la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Merci, que Dieu vous bénisse. Dans la même optique, le pasteur Vernon affirmait que trois choses sont logiques en rapport avec la volonté de Dieu. Trois choses sont logiques lorsqu'on parle de la volonté de Dieu. La première des choses, il dit, il est logique de rechercher la volonté de Dieu. La deuxième des choses, il dit qu'il est logique de connaître la volonté de Dieu. Et pour finir, il disait, il était également logique de pratiquer la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, il ne suffit pas seulement de chercher la volonté de Dieu. Mais c'est important. Nous devons chercher la volonté de Dieu. Chacun de nous doit se mettre tout le jour à chercher à connaître ce qui est la volonté de Dieu, ce que Dieu pense, ce que Dieu veut. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut continuer. Il faut la connaître. C'est-à-dire qu'il faut la trouver. Il faut la faire entrer en vous. Mais il ne faut pas aussi s'arrêter à ces niveaux. Il faut aller jusqu'au bout. Et pour finir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la pratiquer. Il faut la vivre. Il faut la connaître. On peut trouver des hommes qui connaissent la volonté de Dieu, qui la cherchent, mais qui ne la pratiquent pas. C'est être insensé. Vous êtes ensemble avec moi? Mais celui qui recherche, qui connaît la volonté de Dieu et qui la met en pratique, c'est un sage. Et il sera différent de ceux du monde. Alléluia. Sera différent. Romains 12, le deuxième verset, nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui est agréable et ce qui est parfait. »
Et chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, elle renouvelle notre intelligence. Elle renouvelle notre intelligence de telle sorte que notre intelligence prend les dessus sur l'intelligence du monde. Alléluia. Le monde a son intelligence. Lorsque nous sommes en train de voir notre monde aujourd'hui, qui est en train d'aller vers sa destruction, sa perte, vous allez voir que le monde a développé son intelligence. L'intelligence qui lui est propre. De choses qui étaient contre nature, maintenant, on les légalise. N'est-ce pas? On légalise. L'homosexualité dans le passé était considérée comme une relation contre nature. Mais maintenant, selon les mots, si tu es sage, si tu es un cadre dans la société, tu dois apprendre à reconnaître que l'homosexualité, c'est quelque chose de bien. Est-ce que c'est bien devant Dieu? Ce n'est pas bien devant Dieu. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas parfait. Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu, elle va renouveler notre intelligence. Et elle va nous amener à avoir une intelligence qui est au-dessus de celle du monde. Ainsi, nous allons connaître ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est parfait. Et surtout, ce qui est légal du point de vue de Dieu. Alléluia. Il y a des choses que l'on légalise. Que l'on légalise. Mais, laissez-moi vous dire, même si les pays qui sont considérés comme le pays le plus puissant du monde sont en train de légaliser certaines choses qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu, du point de vue de Dieu, ces choses-là ne sont pas légales. Alléluia. Dieu ne les apprécie pas. Ce n'est pas parce que le président Biden va se lever et va légaliser quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, que nous, les enfants de Dieu, nous qui sommes appelés à vivre dans la sagesse, nous devons aussi les prendre pour quelque chose d'illégal. Non? Nous devons dire non. Alléluia. Nous devons dire non, mes bien-aimés. Mais pour arriver à dire non, il faut avoir une intelligence renouvelée. Et une intelligence renouvelée pour l'avoir, il faut considérer la parole de Dieu tout le jour de votre vie. Alléluia. Donc, le croyant qui veut discerner la volonté de Dieu et marcher ainsi dans la sagesse, il doit revenir à la parole de Dieu. Il doit la méditer, il doit l'étudier, il doit la vivre. Parce que c'est elle qui nous montre. Pour les jeunes gens, je n'avais pas prévu cela. C'est dans la parole de Dieu qu'on vous montre sa volonté. Il y a un texte dans Thessaloniciens qui dit « Ce que Dieu veut, c'est ce que vous vous abstenez de l'impudicité, n'est-ce pas? » Alors, si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne la médites pas, tu vas voir bien que tu viens à l'église, tu vis dans l'impudicité, tu sors avec les filles, tu sors avec les garçons, par-ci, par-là, mais tu viens à l'église. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas que c'est contraire à la volonté de Dieu pour toi. Alléluia! Vous êtes chrétien, mais vous vivez dans la corruption. Et dans toutes sortes de magouilles. Si on suit de près ce que vous ne considérez pas, c'est que la Bible enseigne. Mais si vous revenez à la parole de Dieu, vous allez voir que vous marcherez dans la sagesse. Alléluia. Parce que toutes ces choses-là, c'est les insensés qui sont censés le faire. Mais pas les enfants de Dieu que Dieu considère comme sages doivent faire. Alléluia. Le troisième concept de la volonté de Dieu, c'est la volonté spécifique de Dieu. La volonté spécifique de Dieu. Et lorsqu'on parle de la volonté spécifique de Dieu, c'est le fait que la volonté de Dieu devient personnelle pour un individu ou un groupe d'individus. La volonté spécifique de Dieu, c'est le fait que la volonté de Dieu devient personnelle pour un individu ou un groupe d'individus. Ce n'est pas pour tout le monde. À un moment donné, Dieu prend plaisir à révéler une volonté spécifique pour un individu, pour son peuple, pour son église. C'est ça la volonté spécifique de Dieu. Dans Acte 13, le deuxième verset, la Bible nous dit ceci.
pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. J'aimerais lire encore beaucoup d'autres textes avec vous, mais le temps me fera défaut. Je vais quand même vous les donner. Ça va vous aider. Ce sont des textes qui nous aident à voir la volonté spécifique de Dieu sur des gens, sur des individus ou des groupes d'individus. Deutéronome 17, 18 à 19. Deutéronome 17, 18 à 19. Psaume 139, 13 à 16. Psaume 139, 13 à 16. Hébreux 10, 4 à 7. Hébreux 10, 4 à 7. Actes 22, 14 à 21. Actes 22, 14 à 21. Quand vous lisez tout ce passage que je viens de vous proposer, vous allez trouver qu'il s'agit de la volonté de Dieu, mais celle qui est spécifique. Donc à des moments précis et pour des buts précis, Dieu révèle une volonté spécifique pour un individu ou un groupe d'individus. Donc ce qui concerne la volonté spécifique de Dieu, ce sont ces choses que Dieu veut pour une personne. C'est seulement pour lui, pour sa vie personnelle. La volonté spécifique de Dieu, c'est ce que Dieu veut pour un groupe d'individus. Ça ne les concerne qu'à eux, pas pour tout le monde. Alléluia. Tous nous sommes chrétiens, mais tous ne sommes pas prédicateurs, n'est-ce pas? Il y en a que Dieu a appelé à prêcher. Nous sommes chrétiens, tous enfants de Dieu, mais est-ce que tous nous sommes chantres? Nous ne sommes pas chantres. Il y en a qui ont reçu une volonté qui est spécifique en ce qui concerne le chant, en ce qui concerne la prédication, en ce qui concerne l'ingénierie. Alléluia! La volonté de se mettre dans ces domaines-là. Il y a des gens que Dieu a appelés à être seulement ingénieurs, à bâtir de grands édifices. Alléluia! D'autres, c'est l'informatique. C'est spécifique. Et il est important pour vous de savoir quelle est la volonté spécifique de Dieu qui est sur votre vie. Vous devez la rechercher, vous devez la connaître et vous devez vivre selon cette volonté-là. Alléluia. Et ne pas changer les champs ou les cadres de la volonté spécifique de Dieu sur vous. Sinon, vous allez vous embrouiller. Vous allez passer outre la destinée que Dieu avait prévue pour vous. Est-ce qu'on est ensemble? Vous allez troubler votre vie pour rien. Il y en a qui sont appelés à être politiciens. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que les enfants de Dieu peuvent faire aussi la politique? Oui. Parce qu'il faut que les chrétiens soient aussi là où se prennent de grandes décisions, n'est-ce pas? Sinon, si nous laissons les enfants du monde, les enfants du diable, ils vont nous jouer un mauvais tour, n'est-ce pas? Et ils vont nous maltraiter. Alors, vous devez connaître. Si Dieu veut que vous soyez dans la politique, si Dieu veut que vous soyez ingénieur, si Dieu veut que vous soyez prédicateur, que vous soyez chanteur, vous devez chercher à connaître cette volonté spécifique. Sinon, vous allez vous embrouiller. Donc, nous devons chercher à connaître la volonté spécifique de Dieu sans se restreindre à celle-ci. Alléluia. C'est-à-dire, quand vous cherchez à connaître la volonté de Dieu, celle qui est spécifique, vous ne devez pas vous restreindre à celle-ci. C'est-à-dire, vous ne devez pas oublier qu'il y a déjà une volonté parfaite de Dieu, alléluia, qui est la parole de Dieu, qui est la Bible. Vous recherchez la volonté spécifique de Dieu, mais considérez d'abord la volonté de Dieu qui est parfaite, que nous appelons la parole de Dieu ou la Bible.
La volonté spécifique n'éclipse jamais la volonté morale de Dieu. Alléluia. Elle n'éclipse jamais. Vous savez, la volonté spécifique de Dieu, bah on peut la découvrir, on peut la connaître en lisant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu. Vous êtes touché par une parole. Ça ne vous touche que vous-même. Hein? Ça vous touche vous-même. Ça cadre seulement avec la situation dans laquelle vous êtes en train de vous trouver. Et vous vous y accrochez, vous vivez les résultats escomptés. Mais elle peut aussi venir par une prophétie. Elle peut venir par une vision. Elle peut venir par un songe. Est-ce qu'on est ensemble? Ah, ok. Elle peut venir par une prophétie. C'est-à-dire, Dieu vous parle par la bouche d'une autre personne. Mais est-ce que chaque fois qu'une personne vient nous dire « Dieu a dit », c'est forcément Dieu qui a dit? Est-ce qu'on est là? J'aimerais entendre votre réponse. Chaque fois quand quelqu'un vient vers nous pour nous dire « Dieu m'a dit à ton sujet », c'est forcément Dieu qui a dit? Nous savons qu'il y a de faux prophètes. Donc, nous devons recourir à la volonté morale de Dieu. Nous devons recourir à la parole de Dieu pour examiner ce que cet homme-là vient de me dire. Est-ce que ça cadre avec la volonté morale de Dieu? Sinon, les gens vont vous berner. Alléluia. Les gens vont vous berner, les gens vont vous escroquer, les gens vont vous tromper. Nous connaissons beaucoup de choses qui se passent dans ces domaines-là, même dans notre pays. Où le prophète dit à une femme d'autrui, à une maman, que Dieu me dit que je dois te oindre, je dois te laver avec l'huile d'onction. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais il a dit, Dieu a dit. Mais pour savoir que ce n'est pas la volonté spécifique de Dieu pour moi, c'est lorsque tu te réfères à la Bible. La Bible, du reste, nous dit examiner les prophéties. Nous croyons au prophétique. Mais la Bible nous enseigne que nous devons examiner la prophétie. Nous devons. Est-ce qu'on est ensemble? Si on est ensemble, on peut balancer la main. Comme ça, je verrai que nous sommes en train de suivre. Donc voilà, la volonté morale de Dieu se découvre par l'étude de la parole de Dieu. Nous l'avons vu avec vous. Mais la volonté spécifique se découvre aussi par la Bible, mais aussi par la voix de l'Esprit. Par la voix de l'Esprit, je l'ai dit tantôt. Par rapport à la circonstance dans laquelle vous avez se trouvé, par rapport à la situation où vous allez la confronter, nango. Au simbi maloba wana, au sambeli en fonction na yo, au se mettre en action en fonction na yo, pe omoni makambo isimbi. Mais ce n'est pas toutes les fois aux volontés en Zambé et l'Arabie Sobongo. Mais la volonté de Dieu, elle nous vient aussi par la voix de l'Esprit, n'est-ce pas? Dieu, par son Esprit, peut parler à un frère, un bien-aimé, pour qu'il vienne vous donner un message qui est spécifique, qui vous concerne seulement vous. Et vous l'écoutez, et ça change votre vie. Dieu peut passer par une vision. Il y a des gens qui ont de visions. Et leur vision, ça marche, parce que ça vient de la voix de l'Esprit. Alléluia. Il y a des gens qui ont des songes. Quand ils voient, il y a de ces genres de personnes. Oui, Dieu peut passer par des songes à travers de la voix de l'Esprit. Voilà pourquoi nous devons nous battre, nous devons chercher à être sensibles à la voix de l'Esprit. Alléluia. Sensible. Parfois, lorsque les gens nous disent « Je vis, j'ai entendu, Dieu m'a donné une vision », on pense que ces gens-là sont tellement exceptionnels. On pense comme s'ils étaient les enfants chéris de Dieu. Dieu n'a pas d'enfants chéris. Alléluia. Tout le monde et enfants de Dieu. Et si Dieu a des enfants chéris, c'est-à-dire nous tous, enfants de Dieu, nous sommes ses enfants chéris. Alléluia. Et il peut aussi nous montrer des choses qui cadrent avec sa volonté spécifique sur notre vie. Est-ce qu'on est ensemble? Donc c'est à nous de chercher à être sensibles à la volonté, à la voix de l'Esprit de Dieu. Et nous devons, voilà pourquoi j'ai dit, nous devons garder la foi que Dieu nous aime.
Il nous aime assez pour nous révéler sa volonté spécifique au bon moment. Qui que vous soyez, même si vous n'êtes pas prédicateur, même si vous n'êtes pas prophète, Dieu peut vous révéler sa volonté spécifique au bon moment dans votre vie. Alléluia. Et ma prière est que Dieu vous révèle la volonté spécifique qui est sur votre vie, afin que vous puissiez en bénéficier. Mais sur le chemin de la volonté spécifique de Dieu, l'adversité ou encore des difficultés peuvent surgir, mes bien-aimés. Le cas de Jérémie, il y avait un appel spécifique sur sa vie. Avant même qu'il ne vienne au monde, Dieu l'avait déjà établi son prophète. Mais lorsqu'il vient sur le chemin de cette volonté spécifique, ça n'a pas empêché que l'adversité vienne, que des difficultés viennent. Jérémie a été emprisonné. Il a dormi sans manger. Il a été jeté dans la citerne, tout ça. Mais est-ce que c'est pour autant qu'il s'était trompé de la volonté spécifique de Dieu qui était sur sa vie? Non, il ne s'était pas trompé. Ça peut venir, mes bien-aimés. Mais rappelons-nous toujours que Dieu veut le meilleur pour ses enfants, même dans des moments d'adversité ou dans des moments de difficulté. Alléluia. Peut-être vous êtes là ce matin et vous savez vraiment que vous êtes en train de marcher selon la volonté spécifique de Dieu qui est sur votre vie. Mais vous rencontrez de l'adversité, vous rencontrez des difficultés, les choses ne sont pas en rose. Laissez-moi vous dire que vous ne vous êtes pas trompé. Alléluia. Et au bon moment, Dieu se souviendra de vous et accomplira cette volonté spécifique qui est sur vous. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Je donnerai ma propre illustration. Moi, j'ai reçu une volonté spécifique de Dieu sur ma vie que je serai prédicateur. Et ça fait beaucoup d'années. J'ai même fait l'Institut biblique. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que c'est pour autant que vous me voyez chaque dimanche venir prêcher ici? Est-ce que je m'étais trompé de la volonté spécifique de Dieu qui était sur ma vie? Non. Ça fait autant d'années. Mais aujourd'hui, ce matin, je suis devant vous en train de partager la parole de Dieu avec vous. Alléluia. Et la volonté spécifique de Dieu qui est sur vous, elle s'accomplira. Dieu dit dans Jérémie 29, le 11e verset, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alléluia. Dieu connaît les projets qu'il a formés sur vous. Le temps me fera défaut. Je vais tout simplement vous donner le 4e concept de la volonté de Dieu, mais je ne veux pas mettre trop d'emphase là-dessus. Et on va prier parce que nous devons respecter les temps. Alléluia. Donc, le 4e concept de la volonté de Dieu, c'est la volonté du libre choix. La volonté du libre choix. Est-ce qu'on me suit? On est là ce matin. Est-ce qu'on peut encore balancer la main? Parce qu'il y en a un qui dorme. Merci beaucoup. Je vous donne des textes, vous écrivez rapidement. Je fonce pour ne pas prendre trop de temps. Deutéronome 30, 19 à 20. Deutéronome 30, 19 à 20. Josué 24, 15. Josué 24, 15. Jean 3, 17 à 19. Jean 3, 17 à 19. Apocalypse 3, 20. En parlant de la volonté du libre choix, j'ai dit, ici Dieu nous donne sa volonté, mais il nous laisse le choix en ce qui concerne cette volonté qu'il nous donne. Alléluia. Dieu est souverain, mais il nous donne par son amour la liberté de choisir sa volonté. Il désire notre coopération dans l'accomplissement de sa volonté. Il mise sur nous. Dieu mise sur nous. Et c'est à nous d'accepter sa mise en nous soumettant à sa volonté. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu n'est pas un dictateur. J'aime le dire, Dieu est un gentleman. Alléluia. Dieu n'est pas un voleur comme Satan. Il vient
pour s'imposer, pour voler. Quand un voleur vient, il ne demande pas votre avis. Il entre comme il veut. Mais ce n'est pas le cas avec Dieu. Dieu est un gentleman. Il vient, il toque à la porte. Les textes d'Apocalypse que je vous ai donnés disent « Voici, je me tiens à la porte et je toque. » Celui qui entend et qui ouvre. C'est-à-dire, si tu n'ouvres pas, il ne va pas entrer. Alléluia. Mais sa volonté, c'est qu'il est venu chez toi pour te sauver. Il frappe à la porte de ton cœur. Il demande à ce que tu le fasses entrer pour qu'il te sauve. Mais si tu refuses, il ne va pas te forcer. Parce que tu as le libre choix. Est-ce qu'on est ensemble? Et celui qui connaît la volonté de Dieu devient ainsi responsable de l'accomplir. Alléluia. Quand vous connaissez la volonté de Dieu, qu'elle soit celle que nous avons appelée souveraine, celle que nous avons appelée morale, celle que nous avons appelée spécifique. Quand vous la connaissez, vous devenez responsable. Dieu vous tient responsable en ce qui concerne son accomplissement. Et votre responsabilité ou la responsabilité du croyant, c'est la soumission. Alléluia. La soumission à la volonté de Dieu. Trop souvent, nous cherchons la volonté de Dieu. Et même, nous connaissons la volonté de Dieu. Mais nous ne nous soumettons pas à cette volonté-là. C'est là que les bas blessent. Alléluia. Et c'est ça même notre combat de tout le jour. Et nous devons nous battre. Du reste, nous sommes déjà des vainqueurs. Alléluia. De plus que vainqueurs. Soumettons-nous à la volonté de Dieu qui est sur notre vie, quelle que soit sa forme. Et Dieu nous bénira. Et pour terminer, j'ai dit, il y a des conséquences à connaître. La volonté de Dieu et ne pas s'y soumettre. Si vous connaissez la volonté de Dieu et que vous ne vous y soumettez pas, vous devez savoir qu'il y a des conséquences. Alors, comme des sages, nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu pour que ces conséquences ne tombent pas sur nous. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, nous avons parlé de 4 concepts en ce qui concerne la volonté de Dieu. La première, nous avons vu que c'est la volonté souveraine de Dieu. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut. Il n'a pas de conseils à recevoir de qui que ce soit. La deuxième, c'est la volonté morale de Dieu. Nous l'avons vu, nous avons dit que ce sont des principes bibliques. Ce sont les enseignements bibliques. La troisième volonté de Dieu, c'est la volonté spécifique de Dieu. Nous avons vu qu'à des moments précis, pour des bits précis, Dieu prend plaisir à révéler sa volonté pour un individu ou pour un groupe d'individus. Et la dernière, nous avons parlé de la volonté du libre choix. Dieu est souverain, mais l'homme aussi reste libre, n'est-ce pas, de choisir sa volonté. Mais dans son amour, Dieu nous a toujours demandé de coopérer avec lui pour choisir sa volonté. Et lorsque nous considérons, nous discernons chaque facette de la volonté de Dieu, mes bien-aimés, ça va nous aider à marcher dans la sagesse. Alléluia. Ça va nous aider à être des hommes et des femmes sages et non des insensés. Que Dieu bénisse sa parole.